Bienvenue dans l'émission Barbie et Barbie, une aventure de rêve édition spéciale week-end. En direct depuis la grande fête foraine de l'été. Le numéro des cuties va commencer dans 5 minutes chrono. Youhou! Bienvenue à la grande fête foraine de l'été. Oui. Je suis très impatiente et prête pour mon premier tour de magie. Oui. Trop cool. Waouh. Cette transformation m'a donné envie de me lancer. Je voulais dire de danser. Oui. Ce numéro des cuties m'a vraiment donné beaucoup d'inspiration. J'ai hâte d'en parler avec Brooklyn. Ça m'a donné tellement d'inspiration, Brooklyn. Malibu, c'est pareil pour moi. Et d'ailleurs, j'ai une idée. Génial! Tout comme nous avons transformé nos tenues, nous exprimerons nos émotions en transformant ce morceau d'argile en un objet d'art et de déco. C'est incroyable! Merci, merci beaucoup! Nous sommes les cuties! On exprime nos émotions pas seulement parce que c'est important, mais parce que c'est amusant! Ouais! On est fan de vos performances artistiques et de votre message. Exprimer ses émotions, c'est grandiose. Et on aimerait beaucoup vous avoir dans notre émission. Oh, ce serait un réel honneur! Super! Le rendez-vous est pris. On vous attend dès demain à la maison de rêve pour l'émission. Youhou! Et nous produisons nous-mêmes notre émission. On doit faire ça encore longtemps. Nous sommes les productrices. Oh, ok, coupez. C'est trop fort. En plein dans le mille. On en a profité à fond. Et tu sais quoi? Ça m'a donné une énergie folle. Et moi, je dirais... Je dirais qu'il est temps de rentrer à la maison. Je partage exactement le même ressenti. Oh, mon trésor! Je savais qu'on avait oublié quelque chose à la plage. Je croyais que c'était mes lunettes de soleil, mais on a oublié notre plasticine rose spécial mode et technologie. Et elle a pris vie! C'est vrai quoi? Qui aurait cru que mettre au point cette formule chimique si puissante qui transforme une tenue ordinaire en une tenue super tendance nous causerait des problèmes? Ah, ok, ce n'était pas au programme, mais c'est une chance unique pour nous de pouvoir observer nos créations et de faire progresser la science. Et pendant ce temps, on essaiera de chercher un moyen de les ramener à la maison. C'est évident, mais d'ici là, je me demande quels dégâts elles vont causer au nom de la science. Est-ce que quelqu'un nous a fait une farce? Hier soir, en rentrant de la fête foraine de l'été, les choses étaient étranges dans la maison de rêve. Je ne veux pas en faire toute une histoire, mais ma chambre était vraiment étincelante. Waouh! Peut-être que je m'inquiète pour rien, mais on dirait que quelqu'un a remplacé les biscuits du bocal à biscuits par des paillettes. Parler de la piscine. Ce matin, je voulais piquer une tête dans la piscine, mais elle était remplie de... Oh, wow! Du glaçage tout rose. L'émission édition spéciale week-end est vraiment top. Je ne veux pas m'éterniser sur tout ça et casser l'ambiance. Chelsea est super douée pour faire des farces, mais tout ça ne lui ressemble absolument pas. J'aurais adoré avoir fait toutes ces farces. Elles sont trop géniales. Et je crois qu'il se passe quelque chose de vraiment très étrange. Comme dans le jardin. Oh, est-ce que j'ai
j'ai rêvé? Oh. Ou dans la salle des fêtes? Là, ça devient vraiment bizarre. Je sais que je devrais parler des drôles de sensations que j'ai eues, mais j'ai peur qu'on ne me croie pas. Donc, pour l'instant... Je pense que je vais garder ça pour moi. C'est tellement amusant de préparer des biscuits pour votre émission. On ajoute un glaçage. Du glaçage? Vous êtes sûr que ça va, vous deux? Nous deux? Pourquoi ça n'irait pas? Comment dire? On est au top de notre forme, sans aucun doute. Qui veut mettre de la couleur dans sa vie? Notre autre invitée est arrivée. Une spécialiste des couleurs. Et attendez de voir où on va mettre de la couleur, les filles. Je vous présente le tout nouveau méga dressing de rêve. Waouh! C'est du délire. J'hallucine. Trop classe et amusant, j'adore. Et le rêve devient réalité. Il offre des possibilités à l'infini pour s'exprimer. Ce dressing est magique. J'ai hâte de créer un look. Ah oui. Vous avez vu cette robe? Oh, waouh, waouh. Ce lieu est juste incroyable. Et cette odeur est juste merveilleuse. Oh, mais attendez. Ce sont nos biscuits dans le four. Oui. Direction la cuisine. Pour être honnête, je trouve que leurs créations sont vraiment cool. Mais nos créatures sèment la pagaille. C'est le prix à payer pour la science. Oh, il faut qu'on les ramène sur l'île. Oh, 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 bon sang. Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux dire, qu'est-ce qui est arrivé à votre fabuleux dressing? Je dois absolument vous dire quelque chose. J'ai vu se produire un tas d'événements mystérieux depuis hier. Oh, je suis si soulagée de t'entendre dire ça. Moi aussi, Malibu. Et moi aussi. Oh, je crois que c'est facile d'exprimer ses émotions quand elles sont positives. Et quand elles sont plus confuses, ça peut devenir plus compliqué. Mais maintenant qu'on a toutes dit ce qu'on avait sur le cœur, on peut analyser les choses toutes ensemble. On a un mystère à résoudre. Et j'ai déjà trouvé un indice. Hein? Oh, très bien. La suite au prochain épisode. Bienvenue dans l'émission Barbie et Barbie avec aujourd'hui l'édition spéciale Aventure de rêve. Bienvenue dans cette édition de rêve spéciale week-end. Avec une rubrique spéciale, les mystères de la maison de rêve. Dans le dernier épisode, des mystérieux petits farceurs en avaient fait voir de toutes les couleurs à notre dressing de rêve. Essayons de résoudre ce mystère avant de partir en camping-car. Ça ne peut pas être l'une d'entre nous. On mangeait toutes des biscuits dans la cuisine, je m'en rappelle, car j'adore les biscuits. Ces taches en forme de cœur et de fleurs, ce n'est pas un hasard. Parce que hier, j'ai vu une fleur dans le jardin. Et un cœur dans le bocal à bonbons. Donc, si j'ai bien compris, un petit bonbon du bocal et une fleur du jardin s'amusent à nous faire des farces. Oui, et maintenant que vous êtes au courant, je vais continuer à mener mon enquête. Une journée bien remplie nous attend. J'ai préparé une surprise à Brooklyn pour lui montrer que ses émotions me tiennent à cœur malgré toute cette confusion. Eh, au moins vous n'aurez pas de mal à retirer cette peinture. J'utilise la même pour mes créations. Elle se nettoie à l'eau. Oh, volontiers. Classe. Malibu, je me sens tellement stressée. On a tant de choses à faire avant de partir en voyage. Je sais. Et ça te réjouit de me voir comme ça? Non, mais je savais que tu serais stressée. Et c'est pourquoi j'ai prévu de faire une fête de départ. Super. C'est parti, allez. Malibu, merci. J'adore faire les valises, les listes et tout organiser. Oui, allons-y. Oh, oui. À moi de jouer.
J'ai été très touchée que Malibu tienne compte de mes émotions. Et je lui renverrai bien l'appareil. En faisant exactement la même chose. J'ai tellement hâte. Il ne reste plus qu'à attendre que ta mère dépose Jack et Jayla et on y va. Laisse-moi deviner. Ça te fait tellement plaisir de partir faire du camping avec les filles et tes sœurs que tu aimerais qu'on fasse quelque chose pour rendre ce voyage encore plus spécial. Vu que tu as organisé une petite fête de départ, je suggère de faire une petite visite surprise à nos super amis les extras. Je suis sûre qu'elles pourront nous aider à faire une jolie surprise à nos familles. Oh oui! Trop tendance. Cool, magnifique. Je ne suis pas une experte, mais ça ressemble à une sortie shopping improvisée au centre commercial. Tu es peut-être bien une experte, parce que c'est exactement ça, une experte extra. Comme c'est extraordinaire. On part en voyage avec nos familles et ça nous tient énormément à cœur, alors on aimerait les surprendre avec quelque chose d'extra. Vous êtes extrêmement chanceuse. On vient tout juste d'avoir une excellente idée. Bien sûr, le plus important, c'est de passer de bons moments en famille. Mais pourquoi ne choisiriez-vous pas des accessoires personnalisés pour chacun des membres de vos familles? Oh, trop classe! Comment décrire mes petites sœurs? Bon, Skipper est une véritable entrepreneuse. Stacy est pleine d'inspiration et d'ingéniosité. Et Chelsea nous rappelle qu'il faut vivre chaque jour de notre vie avec un maximum d'intensité. Oh, et j'allais oublier, Chelsea est totalement hilarante. Oh, que dis-tu de ce sac pour Skipper? Une chef d'entreprise comme elle mérite un sac à main tendance. Trop mignon. Un collier représentant l'énergie que Stacy met dans tout ce qu'elle fait. Et un bracelet amusant en forme de fleur pour Chelsea. Ça représente parfaitement sa joie de vivre. Ces accessoires sont extraordinaires. Merci, mes sœurs vont les adorer. De rien. Alors, Jack se lance dans la musique. Et je trouve ça cool vu que j'adore la musique. J'ai tellement hâte d'entendre ses morceaux. Et Jayla adore exprimer sa personnalité avec des accessoires uniques. On peut dire qu'elle a un excellent sens de la mode. Je vois. Des écouteurs pour Jax, pour qu'il écoute de nouveaux sons pendant le voyage, et des lunettes de soleil uniques et méga tendances pour Jayla. Une exclusivité! C'est de la bombe, ces écouteurs! Vous avez assuré? Hein? Oh, cool! Oh oui, vous êtes trop stylés! Attendez, je suis sûre que moi, je n'ai pas choisi ces couleurs-là. Est-ce que quelqu'un aurait mené des expériences sur nos accessoires? Je rigole, je voulais dire accessoires. La personne qui nous fait des farces nous aurait suivis jusqu'au centre commercial? J'allais justement tenter d'expliquer, ou plutôt d'analyser la situation quand soudain... Oh, un message de ma mère. Elle est avec Jax et Jayla, ils arrivent à la maison de rêve. On doit partir. Merci pour tout. D'accord. Amusez-vous bien. Vive l'exploration! Et elle recommence. Juste à temps. Oh, ma petite fille. Tu nous as manqué. Salut, maman. Mes petits lutins. Quoi de neuf? Quoi de neuf, Brooklyn? Ton chat et ta te dit bonjour. Mais ça sonnait plus comme ça. Miaou. Bonjour tout le monde. Super. Tout est en ordre. Même le dressing de rêve est redevenu normal. Les farceurs ont dû le nettoyer. Je commence à les apprécier cela. Bonne nouvelle. Et on était si contentes de vous revoir qu'on a prévu des cadeaux. Génial. Ok, c'est trop cool. Waouh. Quel style. Waouh. C'est bien le camping-car de rêve. Il y a tout ce qu'il nous faut pour cuisiner, voyager et vivre un rêve. Oh, ça ne pouvait pas être plus cool que ça. Oh, tu crois avoir tout vu. Tada! Waouh! Regardez-moi cet ouragan! On a assuré avec les préparatifs. C'est génial. Tu avais planifié que j'apprécierais. Et toi, tu savais que j'aimerais être spontanée. Regardons l'itinéraire. On a planifié nos journées avec grand soin, comme le voulait Brooklyn. Mais sans oublier de nous laisser des moments de liberté comme je le voulais. Disons que c'est bien équilibré. En clair, on est une équipe de rêve.
Est-ce que tout le monde est prêt pour notre excursion? Oui, je me suis laissée emporter. C'est l'émotion. Montagne étincelante, on arrive! Eh bien, tu te souviens qu'on voulait récupérer notre plasticine dans la maison de rêve? Oui, on dirait que nos chances diminuent au fur et à mesure qu'ils se dirigent vers cette montagne étincelante. La suite au prochain épisode! Patience! Bienvenue dans l'émission Barbie et Barbie! Bonjour, moi c'est Barbie! Et moi je suis en train de conduire, mais je suis aussi Barbie. Bienvenue dans cette édition de rêve spéciale week-end. Wouhou! Oui! Précédemment, on essayait de découvrir qui étaient ces farceurs qui nous ont joué des tours dans la maison de rêve. Mais nous ne sommes plus dans la maison de rêve. Nous sommes presque arrivés à la... Montagne étincelante! Chelsea, tu penses toujours que cette fleur et ce cœur nous font des farces? Oui, mais est-ce que j'ai des preuves? Non. Oh, on pourrait s'arrêter un peu. On a bien mérité un petit encas et des boules de poils. Le programme est chargé, mais si on tombe sur un endroit sympa en cours de route, on fera une petite pause. Wouhou! Il y a une ferme juste un peu plus loin. On y trouvera des encas et peut-être des chiens. Alors, et si on faisait cette pause, Barbie? C'est un vrai coup de chance. Quant à l'improviste, la chance frappe à notre porte, il faut la saisir, les amis. Des encas et des chiens, des encas et des chiens. Pour résumer, c'est incroyable, mais tous nos aliments proviennent de notre planète Terre, directement ou indirectement. La vie en ville est trépidante, mais il est essentiel de se rappeler de nos racines. Littéralement, de nos racines. Dites-moi, vous voulez savoir d'où viennent nos œufs? Oui! Quand on fait une omelette ou une simple pâtisserie, on ne pense pas que sans les poules, ce serait impossible, mais ce sont elles qui pondent les œufs. Merci pour tous ces délicieux gâteaux. La nature est pleine de surprises. Gardez vos yeux bien ouverts et elle ne cessera de vous émerveiller. Waouh! Tu sais quoi, Jordan? J'avais les yeux bien ouverts. Et j'ai craqué sur ces chiots qu'il y a sur votre affiche. Tu as le sens de l'observation. Aujourd'hui, à la ferme, pour eux, c'est un jour spécial. Ils peuvent être adoptés. Tellement mignon. Je suis sûre qu'ils trouveront une famille. Ils sont irrésistibles. C'est merveilleux d'adopter un chiot. Il suffit de garder les yeux ouverts et d'être prêt à accueillir ce qui se présente sur votre chemin. À propos des yeux ouverts, vous voyez ce que je vois? Waouh! Quoi? Je ne comprends pas. Ça, c'est le clou du spectacle, Jordan. Je ne sais absolument pas comment c'est arrivé. Mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter, surtout pas de panique. Je panique. C'est un coup de nos farceurs. Ils nous ont peut-être suivis jusqu'ici. On devrait partir pour qu'ils ne sèment pas la pagaille dans la ferme. Oui. Merci pour la visite, Jordan. Manger bio, c'est génial. Les poules assurent trop bien. Au revoir. À la prochaine. Je viens encore de voir cette fleur. Ah oui? On a tous vu un tas de jolies fleurs aujourd'hui. Et il y en aura encore plus à la... Montagne étincelante! Commençons par installer notre campement. Comment être sûr que nos farceurs ne nous ont pas suivis jusqu'ici? Et si on en discutait plus tard autour d'un feu de camp, Chelsea? Pour l'instant, il faut qu'on profite de la lumière du jour. Mais... Ce sont encore des cœurs et des fleurs colorées. Attention tout le monde, le toboggan est prêt. Oui, oui. C'est parti. Youhou.
vu? Je vérifie juste que je ne suis pas invisible. Je ne savais pas qu'une farce pouvait être aussi savoureuse. Oh. Il doit y avoir une explication à tout ça. À quand remonte la première farce? J'ai la sensation que la réponse nous est passée sous le nez. Tu as raison, il y a un indice qui a dû nous échapper. Je me souviens que tout a commencé à la fête foraine et on a filmé toute la soirée. Oui, c'est exactement ce que Jordan nous disait. Il faut garder les yeux grands ouverts pour observer ce qui nous entoure. C'est la substance rose sur laquelle j'ai glissé. C'est ça qui a donné vie à cet adorable duo de farceurs. Chelsea, tu avais raison. Ta théorie semblait un peu trop farfelue, mais on n'aurait jamais dû ignorer ce que tu avais sur le cœur quand tu as essayé de nous expliquer ton ressenti. Ce n'est pas trop tôt. Merci pour ces paroles réconfortantes. Est-ce qu'on peut attraper ces deux petites canailles? Quoi? Salut les amis. On dirait qu'ils sont faits de plasticine spécialement des technologies. Cette plasticine très particulière ne peut provenir que d'un seul et unique endroit, l'île Mini Extra, au-dessus des nuages. J'avais déjà entendu parler de l'île Mini Extra, mais je ne savais pas qu'elle existait vraiment. Oh. Oh, trésor, ça, ce n'est pas de chance. C'est génial de vous rencontrer enfin, cœur et fleurs, mais on aimerait savoir... Pourquoi toutes ces farces? Si vous venez vraiment du ciel, vos familles et vos amis doivent terriblement vous manquer. Vous voulez retourner chez vous? Dans ce cas, on va vous accompagner. On a tous eu une très longue journée. Alors, on a tous besoin d'une bonne nuit de sommeil pour penser à un plan demain matin devant des pancakes. Ils vont revenir parmi nous. Oh, waouh, ça c'est une grande nouvelle. Cœur et fleurs ne sont pas dans la tente. J'espère qu'ils n'ont... Oh, ils doivent être dans le coin. Tu ne crois pas? Oh non! C'est une vraie catastrophe! Ils ont filé! Il faut qu'on suive leurs traces. La suite au prochain épisode. À plus, les amis! Bienvenue à tous dans l'émission Barbie et Barbie édition week-end de rêve. Je crois que c'est on ne peut plus clair. Moi c'est Barbie, elle c'est Barbie et ici c'est la panique à bord. Quelle merveilleuse façon de se réveiller avec l'odeur des muffins qui cuisent dans le four. Et ces petits oiseaux qui gazouillent doucement à mon oreille. Tout aurait été parfait s'il n'y avait pas tout ce raffut. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que vous fabriquez comme ça? Alors, vous vous souvenez de Cœur et Fleur, nos deux farceurs? Oui, ils sont trop mignons ces deux-là. Ils sont à croquer. Eh bien, ils ont disparu. Non, ils sont incorrigibles. De vrais farceurs. On leur a promis de les ramener chez eux sur l'île Mini Extra. Et bizarrement, ils ne nous ont pas attendus. Ça n'a pas de sens. On a conscience que ça écourterait un peu notre voyage. Mais je voudrais avoir votre avis à tous. On essaye de les retrouver et de leur venir en aide. Oh, j'espère qu'ils vont dire oui. Bien sûr que oui. J'ai trop hâte. J'essaye de me mettre dans leur peau. C'est une façon de parler, ils sont en plasticine. Mais si j'étais eux, je voudrais qu'on m'aide. Jayla a raison. Partons à la recherche de ces boules de plasticine. C'est parti. On a bien fait de laisser place à l'improvisation. Et on a aussi bien fait de prévoir quelques pâtisseries. On pourra les manger dans notre camping-car de rêve. Ce mystère va être difficile à percer, mais dans tous les cas, on a... Un indice. Suivons cette piste. J'ai toujours rêvé de pouvoir dire ça. En route pour l'aventure. C'est parti, oui. Voilà le plan. Si vous repérez un nouvel indice, dites plasticine. Et ça vaut aussi pour vous chez vous. Oh, plasticine. Oh, plasticine.
y a de la plasticine partout. Waouh. Fleur et Cœur ont dû passer par ici, c'est sûr et certain. Je me demande pourquoi ils sont revenus ici. Pour se sentir à la maison. Peut-être que dans la maison de rêve, ils se sentent à l'abri. Waouh, un ballon dirigeable. Ça alors? Qu'est-ce qu'il fait au-dessus de la maison de rêve? Ils ne savent absolument pas comment piloter ce dirigeable. Ils zigzaguent. Suivons ce ballon dégonflé. Quelqu'un doit les aider à atterrir. Ça alors? Vous êtes déjà de retour? Maman? Vous avez l'air stressée, qu'est-ce qui se passe? Je vois. Si on m'avait dit que j'utiliserais ainsi ma licence de pilote, je ne l'aurais jamais cru, mais allons sauver ces petits farceurs en plasticine. Oui! Oui, ma mère est plutôt cool. Ma chérie? Avec grand plaisir. Oui. À plus tard, les filles. Bonjour. Youi. Elles ont réussi. Oui. Bien joué. On t'aime plus que nos deux petits farceurs qui aiment semer la pagaille. Brooklyn, tu as piloté l'avion de rêve comme une vraie pro. Tous ces stages d'été de pilotage ont porté leurs fruits. Oui, notre grande sœur est plutôt cool. Et vous, je vous adore. Oh, c'était vraiment un week-end inoubliable, Malibu. Merci de nous avoir invités. Bonjour. Wow. C'était incroyable, oui. C'était trop génial, Simone. C'était beau à voir. Vous auriez pu vous blesser. Pourquoi est-ce que vous vous êtes enfui? Et surtout, pourquoi est-ce que vous nous avez fait toutes ces farces? Vous retrouver si loin de l'île Mini Extra a probablement dû vous effrayer. Mais au lieu de parler de ce que vous ressentiez, vous avez fait des blagues. La prochaine fois, osez dire ce que vous ressentez. C'est difficile, mais personne ne pourra vous aider si on ne sait pas ce que vous vivez. D'accord, Barbie. Attends, quoi? Vous pouvez parler? Oui. Vous pouvez parler depuis toujours? Oui. Ah, voyez-vous ça? Bon, maintenant, on vous ramène chez vous. Pour de vrai, cette fois-ci. Oui. Oh, quel plaisir de vous revoir. Oh, vous nous avez tant manqué. Écoutez, il n'y a rien de mal à prendre des vacances, mais la prochaine fois, faites-nous une toute petite faveur et... dites-le-nous. C'est promis. On peut dire que ça a été mouvementé, mais je trouve que ça a été la plus belle de nos aventures de rêve spécial week-end. On a été guidés par nos émotions. Ensuite, j'ai littéralement conduit le camping-car de rêve et piloté un avion. C'est fou, tout est parti d'une drôle de substance rose. Wow. Attends, regarde. Il y en a combien comme ça? Oh non. La soirée risque d'être très longue. Et action. Suivons cette piste. Chelsea. Suivez cette violoniste. Joli violon. Suivez cette prise de kung fu. On va arranger ça au montage. Oh, suivez cette émission. Oh, Chelsea.